L'architecture est l'un des éléments les plus importants de l'héritage culturel de l'humanité. Au cours des milliers d'années précédentes, différentes civilisations ont construit des merveilles architecturales aussi frappantes les unes que les autres. Les pyramides, les palais, les cathédrales, les mosquées. Chacun de ceux-ci est apparu avec les calculs subtils des architectes, avec le labeur et la main-d'œuvre commune de milliers de personnes. L'architecture est le domaine d'exposition des notions d'art et d'esthétique qu'Allah a accordé à l'être humain. Très bien. Savez-vous que dans la nature se trouvent également des architectes aussi habiles que les êtres humains? Architectes dans la nature. Les animaux dans la nature attirent d'abord notre attention avec leur constitution corporelle. Le guépard a un système de squelette et de muscles magnifiques conçu pour courir. L'aigle fut créé avec la meilleure conception aérodynamique du monde. Le dauphin possède une peau et un corps spécialement créés pour nager dans l'eau. Ces conceptions parfaites dans le corps des êtres vivants sont des preuves qui nous rappellent que c'est Allah qui crée chaque espèce des êtres vivants. Seulement, il n'est pas suffisant de posséder un corps parfait, il faut en même temps que l'animal sache comment utiliser ce corps. Les ailes d'un oiseau lui seront uniquement utiles lorsqu'il réussira à voler, à planer et atterrir de manière parfaite avec ces dernières. Et quand on regarde le monde des êtres vivants avec cet œil, on fait face à une réalité très intéressante. Chaque être vivant montre les comportements les plus appropriés pour les conditions naturelles dans lesquelles il se trouve. Qui plus est, il possède ses comportements dès le moment de sa naissance. Pour une gazelle qui vient de naître, se mettre debout et courir ne prend qu'une demi-heure. Les bébés tortues enfouis sous le sable par la tortue mère savent qu'ils doivent casser leur coquille et monter à la surface. De plus, on leur a également enseigné qu'il leur est nécessaire d'atteindre la mer aussitôt qu'ils sortent dehors. C'est comme si les animaux étaient venus dans ce monde après avoir été éduqués. Quant à l'exemple le plus étonnant de cette éducation étonnante, ce sont les nids qu'ils construisent avec une grande habileté.
Regardons maintenant certains des nids intéressants dans la nature et examinons ensemble comment les animaux construisent ceux-ci.